Amis de la fourmi et de l'aquarium, bonjour. Alors ne copiez pas ce que nous allons faire. Nous allons faire un essai. Mon ami David a acheté des criquets. On va essayer d'en mettre un dans la fourmilière de droite, toujours, puisqu'elle est la plus performante. Allons-y. Attends. Ah, il est arrivé. Ça y est, il sort. Hop là. Et voilà. Voilà, il est dedans. Il n'a pas agité, mais on ne peut pas dire que... Oh là, ça y est, ça commence. Une fourmi a chopé la patte. C'est pas jusqu'où ça va aller. On va voir comment vont se comporter les fourmis. J'apprécie pas trop de mettre une bestiole comme ça, parce que normalement, on dit qu'il faut les surgeler. Oh, t'as vu le coup de savate, comment on a balancé la fourmi. Les surgeler pour enlever les acariens. Mais bon... On est curieux de savoir comment elles se débrouillent, ces fourmis. Ça s'agite. Il sent bien qu'il n'est pas dans un milieu très sympathique, le gars. Ça veut dire qu'on est des tortionnaires hein, de faire des choses pareilles. Il faut bien qu'on teste, il faut qu'on sache. Là, ils n'arrivent pas à le coincer, il va falloir qu'ils viennent plus. Hein. Je crois qu'il va y en avoir pour un moment de cette affaire. Partout, mais ils n'arrivent pas à l'avoir. Mais lui, c'est marrant, il cherche pas non plus à les attaquer, hein. Il pense qu'à fuir. Et bon, c'est où? Ah, il est dans le coin. Il va falloir qu'il y ait des grosses qui s'amènent. Justement, on va savoir à quoi elles servent, les grosses. Là. Il va bien y avoir une alerte qui va être donnée tôt ou tard. Ça bouge, hein. Est-ce qu'il va s'épuiser ou est-ce qu'on va arriver à le coincer? Ça, ça y est, il y en a une qui tient ferme là. Ça y est. Il va casser la patte, j'ai l'impression. Là, c'est vraiment David contre Goliath. On se rend presque compte de ce que nos ancêtres ont vécu il y a 15 ou 20 ou 30 000 ans dans les immenses steppes enneigées. Sur les hauts plateaux de la Sibérie occidentale, balayés par les vents glacés. On voit bien là le petit insecte face au monstre. Et bien pour nos grands aïeux, ça devait être pareil. C'était des chieurs de mouches face au gibier de l'époque. Qu'est-ce qu'il a? Il est coincé? Non. Il y a une fourmi qui s'accroche, elle lâche. Pas facile de l'abattre celui-là. Hein. Faire du boulot. Devant ce spectacle, je vois bien nos ancêtres partir à la chasse aux mammouths avec seulement leur pic en bois pour embrocher mastodon, batrompe. Allez, ils ont du mal. Hein. Ils se dégonflaient pas, nos ancêtres, quand même. Hein. Ils y allaient, ces vieilles branches, à l'assaut du colosse. Ils n'avaient pas peur du choc. C'était pas des couilles molles, les pastoraux de l'époque. Hein. On verrait bien que. Les fourmis, c'est pareil. Hein. Comme eux, elles en chient comme des Russes au Congo à mettre le bestiau à bas. Hein. Elles ont encore du boulot. Hein. Ça y est, ils commencent à perdre des pattes, là, il n'en manque une. Elle a une patte. Hein. Ça y est. Hein. Ouais. Ouais, patience, et pourtant, ils ne sont pas nombreuses dessus. Hein. Mais en fin de compte, c'est une ou deux qui lui ont arraché la patte. Ouais, c'est marrant parce que je pensais qu'elles allaient fondre dessus. T'as vu qu'elle se lie? Pour faire plus de poids. Ouais. Tiens le choc. Hein. Hein, t'imagines ton père devant le mammouth. Hein. On comprend pourquoi qu'ils avaient des slips kangourous en peau d'ours, les gars. C'était pas seulement à cause du froid. C'est qu'il devait y en avoir une sacrée paire à l'intérieur du caleçon. Ça bouge l'oison. Ah, ils vont le neutraliser, là. Il n'a plus que les pattes de devant pour se débrouiller. Hein. Ah, je te jure. Heureusement que ça a le sang froid. Hein. Ah, heureusement que ça a le sang froid. Qui? Le grillon. Ah, pourquoi? Parce que. T'inquiète pas, il n'y a pas encore la cervelle sur les murs. Découpé vivant. Imagine un peu le vieux père de famille, il fallait qu'il aille au charbon pour amener le beefsteak à la chaumière et faire un repas. Il a assez de pain, il a le dent, dis donc.
Ah, c'était pas lourd de la Sibérie en ces temps. Le miracle, il tombait pas du ciel jusque dans l'assiette. Hein. Le paternel avait pas peur d'affronter le foie à la bête pour la becton, ça je te le dis, moi. Voyons. Alors, le coince, non? Il est où? Ah, mais c'est marrant, elle lui attaque un côté. Il a lâché prise de gomme. J'ai l'impression. Eh ben oui. Eh, tu vois, c'est dur. Hein. Regarde, regarde. Et nos ancêtres, c'était pareil. Hein, ils s'attaquaient à des monstres comme ça. Voyons, quand j'y pense maintenant, il y en a plus d'un qui doit se retourner dans sa tombe. Hein. De ces pectons de l'époque. Bah si. Alors, comment on tourne en tente certains de leurs descendants quand les frères Cro-Magnon et Néandertal. Partaient à la chasse, c'était pas la guépraille. Hein. Ils tortillaient pas du cul sur des chars en fleurs, les gars. Ah non, c'est la fin pour lui. Hein. C'est marrant parce qu'ils sont pas venus trop en force non, encore. Hein. Non, non, je pensais aussi. Et c'est bien les grosses, les moyennes hein, qui attaquent. Hein. Ouais, ouais, tu vois, ça bouge pas ailleurs. Hein. C'est pas les têtes rouges, hein. C'est les. Oh, je te dis, là-dedans, il y a un paquet de fourmis qui fout rien, des glandeuses, je veux te dire, on se demande à quoi elles servent. Mais, 30% des fourmis glandent. Ouais, ouais. T'as vu, là, elles sont après une grosse patte, regarde. Ça met de la cuisse, on va faire rôtir. C'est dingue, hein. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long. Ah, ils ont rentré la cuisse dans le trou. Là. T'as vu là? Ah, il débat encore un peu, mais vraiment. On parle le capot maintenant, il va plus s'envoler le corps. Hein. T'entends? Les congénères qui grillonnent. C'est marrant parce que la fourmilière n'a pas été alertée de la même façon que quand on avait mis. Surpris aussi, moi. On a mis des. Combien 4-5, je ne me rappelle plus, d'ici, là-bas, et la fourmilière s'est agitée. Parce que c'est pas une agression pour eux. Oui, c'est pas. C'est pas un danger. Putain. Ah, il en peut plus, là. Putain, on peut pas dire que dans le reste de la fourmilière, tiens, regarde. Et l'affolement, hein. Pour eux c'est un gibier, et c'est pas une bête qui risque de. C'est pas une bête qui risque de prendre la colonie en défaut. Parce que regarde, elles sont pas vraiment. Il y a la garde la principale là, autour du rond-point, là, il est impossible d'accéder au lit principal. Mais on voit que c'est pas l'affolement comme l'autre jour, avec des ennemis carrément, fourmis, qui viennent d'une fourmilière extérieure. Là, elles ne se sentent pas menacées. Elles sont chasses, c'est tout. Quoi. Elles chassent, c'est un gibier qui est tombé dedans. Il faut qu'elles y cassent la gueule et puis qu'elles le maîtrisent. Aucun affolement. Elles ont quand même du mal. Hein. Vous savez, s'il y en a plusieurs, elles font la chaîne, et elles n'ont pas bougé de là, on va l'avoir. D'un cuisseau, elles essayent d'arracher l'autre patte, elles vont le neutraliser. Et tu vois, elles se lient les unes aux autres pour faire plus de poids. Oui, puis elles se cramponnent en même temps. Ouais. Elles unissent leur force. Elles savent s'entraîner, c'est ça qui font leur puissance. Ah oh, bah ça y est, elles veulent carrément rentrer le morceau à l'intérieur du lit. Elles ont dû préparer leur boucherie ici. Ah, dis donc. Regarde ça. Il y a aussi de se débattre. Hein. Et pourtant, je regarde à l'intérieur. Si, il y en a deux, trois à l'intérieur, mais c'est pas. C'est pas un monde fou qui leur tient. Mais... Et c'est pas lui qui est rentré tout seul parce qu'il s'est rentré la tête la première. Et ça rentre pas reculons comme ça, ces messieurs-là, tiens, ils essayent de sortir. Ils n'y arrivent pas. Hein. Donc il n'y a pas de doute, hein, c'est bien les fourmis qui l'entraînent dans le trou. Elles le piègent.
essaye de sortir. Il essaye de sortir, mais il a vraiment du mal. Allez, il s'est sorti. Oh là là, il est rentré direct. Ah, oh, ça y est, il s'est écarté. De toute façon, le pauvre, il ne peut plus rien faire maintenant. Bon ben voilà, expérience terminée. Chers amis de la fourmi et de l'aquarium, je vous remercie de votre visite. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a intéressé. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Allez, au revoir, à bientôt.